Unité didactique numéro 6 sous la thème art et créativité. Sixième année primaire. Livret, parcours français. Tayeb Sadiki, naissance, le 5 janvier 1939 à Essaouira, Maroc. Décès, le 5 février 2016 à Casablanca. Lors d'une séance d'activité orale, l'enseignante incite ses élèves à faire le portrait de l'acteur marocain, Tayeb Sadiki. Comment s'appelle l'homme qui se trouve sur l'image? Tayeb Sadiki. Très bien. Comment est-il physiquement? Regardez l'image collée au mur et essayez de le décrire. C'est un homme fort, gros. Il a le front plat, les sourcils froncés, le regard menaçant et la bouche entrouverte comme s'il voulait dire quelque chose. Sa barbe est dense et foncée. Sa main levée, il dirige son doigt vers le ciel. Comment est-il habillé? Il porte une sorte de caftan coloré en rouge, bleu et jaune, un chapeau bizarre, qui ressemble à une couronne. Il a l'air déguisé. Son costume rappelle celui de l'homme qui se trouve dans les cartes de jeu. Quel est son métier? C'est un metteur en scène, comédien, acteur de cinéma, écrivain et calligraphe. À votre avis, pourquoi est-il habillé de cette façon sur la photo? Il joue un rôle dans une pièce de théâtre, c'est le costume de scène. Très bien, vous connaissez beaucoup de choses à propos de cet acteur. Il faut ajouter qu'il est l'un des artistes les plus importants au Maroc, surtout dans le domaine du théâtre. Il a été le directeur artistique du Théâtre National Mohamed V de Rabat. Il est vraiment talentueux. La barbe. Le calligraphe. Un caftan. L'acteur. La couronne. Le chapeau. Le mur. Le théâtre. Le ciel. Dialogue, Tayeb Sadiki. Lors d'une séance d'activité orale, l'enseignante incite ses élèves à faire le portrait de l'acteur marocain, Tayeb Sadiki.
Comment s'appelle l'homme qui se trouve sur l'image? Tayeb Sadiki. Très bien. Comment est-il physiquement? Regardez l'image collée au mur et essayez de le décrire. C'est un homme fort, gros, il a le front plat, les sourcils froncés, le regard menaçant et la bouche entrouverte comme s'il voulait dire quelque chose, sa barbe est dense et foncée, sa main levée, il dirige son doigt vers le ciel. Comment est-il habillé? Il porte une sorte de caftan coloré en rouge, bleu et jaune, un chapeau bizarre, qui ressemble à une couronne. Il a l'air déguisé. Son costume rappelle celui de l'homme qui se trouve dans les cartes de jeu. Quel est son métier? C'est un metteur en scène, comédien, acteur de cinéma, écrivain et calligraphe. À votre avis, pourquoi est-il habillé de cette façon sur la photo? Il joue un rôle dans une pièce de théâtre, c'est le costume de scène. Très bien, vous connaissez beaucoup de choses à propos de cet acteur. Il faut ajouter qu'il est l'un des artistes les plus importants au Maroc, surtout dans le domaine du théâtre. Il a été le directeur artistique du Théâtre National Mohamed V de Rabat. Il est vraiment talentueux.